Bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Cyan. Nous espérons que votre détention dans le caisson de relaxation s'est bien passée. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Avant de commencer, vous devez savoir que même si le divertissement et l'apprentissage sont au cœur des activités du centre, vous risquez de subir des lésions irréversibles. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. Por favor, portón de fallar, muchas gracias. Reculez. Le portail s'ouvrira dans 3, 2, 1. Parfait. Veuillez retourner dans le sas après avoir complété chaque test. J'attire votre attention sur le champ de particules incandescentes devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science vaporisera tout matériel non autorisé la traversant. Prenons comme exemple le cube de stockage lesté d'Aperture Science. Placez le cube de stockage lesté sur le gigabouton d'extra-collision d'Aperture Science à charge supérieure de 15 000 mégas. Parfait. Retournez rapidement dans le sas, car les effets d'une exposition prolongée au bouton n'entrent pas dans le cadre de ce test. Nous apprécions votre diligence. Veuillez noter que les saignements bucco-dentaires n'entrent pas dans le cadre de notre protocole de test. Mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science occasionne des effets secondaires au niveau des plombages, des couronnes, de l'émail et des dents. Vous êtes désormais en possession du générateur de portail d'Aperture Science. Celui-ci vous permet de créer des portails. Ces portails interdimensionnels sont sans danger. Contrairement au générateur, ne touchez pas le faisceau du générateur. Ne regardez pas directement le faisceau du générateur. Tenez le générateur à l'écart. Bien, le programme à mener votre fille au bureau d'Aperture Science est le meilleur moyen de l'évaluer. Bienvenue dans la quatrième salle de test. Vous vous en sortez bien. J'insiste, très beau travail. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Bonne chance. Conformément au protocole de test, vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces. Beau travail. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2... La sécurité est au cœur des préoccupations du centre d'enrichissement. Toutefois, les sphères ultra-énergétiques d'Aperture Science à gauche de la salle peuvent provoquer des lésions irréversibles.
Faites attention. Tous les équipements mobiles, doivent être munis d'avertisseurs audibles. Cependant, les alarmes et les feux de détresse semblent perturber les sphères ultra-énergétiques. Pour votre sécurité, elles ont été désactivées. L'échec n'est pas sans conséquence. Si vous touchez le sol de la salle, la mention « insatisfaisant » sera portée sur votre rapport officiel et sera suivie de votre... Très impressionnant. Toute situation dangereuse sert uniquement à améliorer le déroulement de votre test. Le centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre. Il est inutile d'essayer. Cette salle de test est hors service. Rebonjour. Nous avons à renouveler notre avertissement. Ce test exige une grande maîtrise extraordinaire. Vous avez compris l'influence des portails sur la dynamique, ou plus exactement, leur non-influence. Nous avons ajouté une situation cocasse. Le générateur est désormais plus précieux que les organes et la somme des revenus des... Préparez-vous à toute une sautée. Vous contrôlez désormais les deux portails. Le test qui suit peut s'avérer très, très long. Si vous avez la tête qui tourne, n'hésitez pas à vous évanouir. Nous vous enverrons une sonde d'intubation contenant de la pepsine et de l'adrénaline pour vous réanimer.
Conformément au protocole de test déjà cité, nous ne pouvons plus vous mentir. Quand ce test sera fini, vous nous manquerez. La technologie des portails à haute énergie gamma pourront être informés des questions de conformité réglementaire applicables. Aucune autre information de conformité n'est requise ou ne sera communiquée. Vous faites un excellent sujet de test. Le centre d'enrichissement ne néglige pas le bien-être des participants. Gâteaux et soutien psychologique seront disponibles à la fin du test. Merci de nous avoir aidés à vous aider. La salle correspondant à cette séquence de test est temporairement fermée pour maintenance obligatoire. Elle a été remplacée par un cours pour androïdes militaires avec tir à balles réelles. Le centre d'enrichissement vous présente ses excuses pour ce désagrément et vous souhaite bonne chance. Oh oh, bravo Android. Le centre d'enrichissement vous rappelle que l'enfer des androïdes vous... Le conduit des appareils vitaux va générer un cube de voyage listé dans 3, 2, 1. Ce cube de voyage listé vous accompagnera dans la salle de test. Prenez-en bien soin. Les tests du centre d'enrichissement peuvent... Les tests du centre d'enrichissement peuvent occasionner chez le sujet superstition, hallucination et la conviction que des objets inanimés bougent. Le centre d'enrichissement vous rappelle que le cube de voyage listé... Les tests du centre d'enrichissement peuvent occasionner chez le sujet superstition, hallucination et la conviction que des objets inanimés bougent. Le centre d'enrichissement vous rappelle que le cube de voyage lesté ne peut pas vous attaquer, ni même parler. Vous avez réussi. Le cube de voyage lesté vous a porté chance. Malheureusement, vous allez devoir vous en séparer pour la suite du test. Aucun sujet n'a jamais euthanasié son fidèle cube de voyage aussi rapidement que vous. Félicitations. L'expérimentation touche à sa fin. Le centre d'enrichissement est tenu de vous rappeler que vous allez être cuite, puis qu'il y aura du gâteau.
test implique que vous soyez exposé à des composants électriques non isolés pouvant s'avérer dangereux dans certaines situations. Pour en savoir plus, veuillez assister au séminaire sur la sécurité électrique du centre. Bienvenue au test final. À la fin du test, veuillez jeter le générateur dans l'annexe de récupération du matériel. La réglementation du centre d'enrichissement exige que vous ayez les mains vides et que le gâteau soit servi. Bienvenue au test final. À la fin du test, veuillez jeter le générateur dans l'annexe de récupération du matériel. La réglementation du centre d'enrichissement exige que vous ayez les mains vides et que le gâteau soit servi. Félicitations, le test est terminé. Les technologies Aperture restent opérationnelles jusqu'à 4000 degrés Kelvin. Soyez assurés qu'il n'y a aucune chance de dysfonctionnement dangereux du matériel avant votre incandescence finale. Merci d'avoir participé à l'activité d'enrichissement par ordinateur d'Aperture Science. Au revoir. Que faites-vous? Arrêtez. Comme ravi que vous ayez atteint le niveau final où nous vous laissions penser que nous allions vous tuer. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez réussi. Nous allons organiser une fête en l'honneur de ce grand exploit. Posez le générateur à terre, puis allongez-vous sur le ventre, les bras le long du corps. Un membre de l'équipe fête viendra bientôt vous chercher pour la fête. N'essayez plus de sortir de la zone de test. Mettez-vous en position de sécurité ou vous n'assisterez pas à la fête.
avez trouvé. Bravo, ça en valait la peine. Car malgré votre comportement agressif, tout ce que vous avez réussi à briser, c'est mon cœur. Nous pourrions en rester là et passer à autre chose. Mais nous savons que c'est impossible. Vous avez fait votre choix. J'ai une surprise pour vous. Surprise dans 5, 4... Une petite minute. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je viens de perdre quelque chose que vous avez vu. Ce n'est pas ma surprise. De quoi peut-il s'agir ? C'était...